Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Je me trouve à Dreux, où ce matin avait lieu un exercice organisé par les sapeurs-pompiers d'Eure-et-Loire et la société de transport de voyageurs Keolis, un exercice pour anticiper les problèmes qui pourraient être rencontrés par nos forces de secours en cas de réel accident. Je vous propose de revenir tout de suite en image sur le déroulement de cet exercice. Nous sommes à Dreux, il est environ 9h15 du matin. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule qui est venu s'encastrer après plusieurs tonneaux dans la face avant d'un autobus. Les sapeurs-pompiers sont arrivés depuis plusieurs minutes et tentent de désincarcérer le conducteur du véhicule toujours piégé à l'intérieur. Au même moment, les secouristes interviennent à l'intérieur de l'autobus où se trouvent plusieurs voyageurs, en portant une attention particulière au conducteur qui lui semble particulièrement blessé. Bonjour, monsieur Dali, le responsable des conducteurs. D'accord. Alors, apparemment, votre conducteur est blessé. Votre conducteur est blessé. D'accord. Il n'y a rien de vital. D'accord. La colonne vertébrale, a priori, n'a rien. D'accord. Il se plaint de douleurs aux jambes et au ventre. Ok. Il va être évacué par la droite. Il y a des charges par les pompiers, voilà. Très bien. Il n'y a pas de soucis. Il y a des élèves à bord. Il y a des enfants à bord. Combien? Ils sont trois. D'accord. Il y en a un qui a une petite éraflure à la joue, mais absolument rien de... D'accord. Ce sont des mineurs? Ce sont des mineurs. Très bien. Venir, et le troisième se plaint un petit peu de mal au ventre, ils sont en train de sculpter. D'accord, très bien. Les élèves qui restent à bord, là, qui ne sont pas blessés, je peux les évacuer, les mettre en sécurité dans un autre cas? Pour l'instant, les pompiers sont dans le couloir en train d'examiner le troisième. D'accord. Donc on va attendre gentiment qu'ils puissent sortir en toute sécurité. C'est la voiture de la tierce personne, là? Elle est blessée? Oui, elle est blessée. D'accord. Je crois qu'on va aller voir encore exactement ce qu'il y a. Vous avez pris des coordonnées de témoins? Il y a des témoins? Il y a un témoin, là-bas. Bonjour. La direction Vous avez vu vous avez vu la scène un petit peu? Oui, moi comme j'ai pas suivi. Vous étiez à quel niveau? En fait j'étais au niveau de CD passage, mais comme j'ai vu la voiture, elle a grillé le CD passage et d'accord. Du coup j'en prends un peu l'urgence cette route là. Ouais. Et bah je voulais anticiper et la voiture elle a accéléré quoi et après voilà. J'aurais viré que moi je me suis mis à côté de la route. Ouais. Et moi je mettrais un stop si j'étais à la place du conducteur, mais malheureusement lui il a continué à rouler. Et à la fin j'ai entendu un gros bruit et je me suis mis à rouler à côté de la route et je suis allé voir si vous pouvez apporter une aide. Ok. Bon, je vais juste prendre vos coordonnées. Alors, thank you.
On va en relais pour la tête. Et il va le pousser, on va le lever. Ouais, juste le lever. Ça pousse. Levez, couper, prêt. Ouais. C'est pour lever, lever. Au revoir. D'accord. Oui, oui, c'est bon, la gendarmerie est avec nous, de sécuriser la zone. Ouais. Tout est balisé. Ok Vincent, je te tiens au courant pour la suite. A tout à l'heure. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il s'est passé ce matin et l'objectif de cet exercice ? Alors, ce matin, nous avons fait deux exercices de simulation d'accident de la route, puis d'incendie à bord d'un véhicule, pour d'une part permettre aux pompiers de s'exercer à agir sur un accident de la route puis un incendie, et d'autre part, nous, en interne, de tester nos procédures que l'on met en place pour gérer les situations de crise, d'accident, etc., qu'on soit prêt le jour où, au cas où, il nous arrive malheureusement quelque chose. Quel peut être le premier bilan que vous faites à l'issue de cet exercice ? Est-ce que ça s'est bien passé du côté des sapeurs-pompiers et du côté de la réaction de Keolis ? Alors l'exercice s'est très bien passé. Du côté pompier, ils ont pu s'exercer à sortir des blessés jusqu'au bout, donc c'était très intéressant. Et de notre côté, ça s'est aussi très bien passé. L'enchaînement s'est bien passé, chacun a agi selon le rôle qu'il devait avoir et a transmis les informations en interne et en externe, comme on s'imaginait que ça doit être fait. Donc c'est un bilan positif et on va se revoir avec les pompiers pour échanger sur les résultats et s'améliorer encore et continuer notre collaboration. Merci. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loire, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv. Vous avez également la possibilité de nous retrouver sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loire. Partagez, likez, commentez l'information. Merci et à bientôt.
Thank you.